faire. Je vais vous charger d'une mission de confiance. Bien, madame la comtesse. Avant de laisser entrer qui que ce soit, vous m'entendez bien, demandez d'abord la carte d'invitation. Parfaitement. J'ai des invités qui sont idiots. Comme toujours, madame la comtesse. Ils portent sur eux des fortunes en bijoux. Et comme à la campagne, les mariages sont toujours assez mêlés, vous comprenez que je vais faire très attention. Je ferai attention. Notez bien que j'ai engagé un détective. Mais un détective pour tout ce monde-là, c'est pas suffisant. En tout cas, envoyez-le-moi dès qu'il arrivera, n'est-ce pas? Bien, madame la comtesse. Désiez, mon ami, voyons que je n'oublie rien. Avoir un mariage, plus soit à la campagne, ça vaut un incendie. Croyez-moi, madame la comtesse, il suffit d'un peu de fermeté de la part du personnel. Vous avez raison. Ah, et ces pâtisseries sont bien? Je ne les ai pas goûtées, mais les femmes de chambre ont l'air très satisfaites. Eh bien, c'est parfait, parce que je ne connais personne de plus difficile qu'elle. Ah, Monique! Monique, attends, portez les fauteuils à l'église. Oui, attends, j'ai dit à Didier. J'ai dit à Gustave et Joseph m'a dit que c'était fait. C'est parfait. Non, ça va pas, ça va pas. Ne me quitte pas d'une semaine. Je peux avoir besoin de toi d'une minute à l'autre. Un matin. À François. Alors, mon petit. Ce matin, alors, j'étais voir à l'église si les fauteuils y étaient. Et ils y sont? Non. Eh bien, ça ne fait rien, on fait mieux debout. J'y ai d'ailleurs été ce matin. L'église? Oui, après avoir téléphoné à 15 fournisseurs, je suis allé faire une petite prière. Je n'ai pas voulu oublier le bon Dieu. Pensez à tous ces détails, mais enfin, c'est affolant. Enfin, je l'aime tant. Tout ça, le bon Dieu? Mais non, ma nièce, mon Hélène, qui va me quitter pour suivre le mari qu'elle a choisi. Qu'elle a choisi? Ah, ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Oh, à propos du bon Dieu, a-t-on demandé au coiffeur d'aller raser le curé? Ah, je ne sais pas. Oh! Tu vas pas lui demander ça à lui. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que c'est le marié. Oh, pardon. Vous m'avez dit que Jean-Pierre avait le bonheur était les invités de deuxième plan. Je ne pouvais pas croire. D'autant plus qu'il a l'air tellement subtil. Oui, moi. Bon, complètement. C'est pas désagréable. Mais enfin, permettez-moi de vous présenter. Monsieur Valentin Le Barroyer, auditeur à la Cour des comptes. Et Mlle Françoise Fimbrache, l'ami d'enfance de votre future femme, mon cher Valentin. Enchanté. Oh, je sens que ce mariage va être une bousculade sans nom. Une seule chose m'inquiète, peur qu'il ne vienne personne. C'est ça qui serait chier s'il est en train de la crème au chocolat. Vous permettez que je revienne sur la question. Eh bien, monsieur le curé a été rasé ce matin à 8h15. Vous voyez que je ne suis pas si inutile que ça. Vous en faites. C'est que je pensais être. Sauf de me marier moi-même, je crois que j'aurais tout fait. Oh, regardez. Quel drôle de défilé à celui-là. C'est un parent à vous? Non. Excusez-moi, je vais voir. Oh, pardon, monsieur, me prie. Madame la comtesse ne me reconnaît pas? Ah, pas du tout. Ah, par exemple, monsieur Salvatore Perdigo. Ah, madame la comtesse m'a connu. Je suis l'agent de la sûreté que vous avez demandé pour surveiller les cadeaux. Très bien, très bien. Vous n'avez pas d'instruction spéciale? Je ne vois pas. Merci. Vous avez une façon particulière? Non, ah, alors un peu tout le monde, comme partout. C'est ça. Ah bon, d'ailleurs, j'ai pas de conseil à donner à madame la comtesse, mais aujourd'hui, à sa place, je fermerai tout à clé. Ça, vous êtes très bon. Ça, c'est amusant, d'ailleurs, hein. Et au premier, je peux tout fermer aussi au premier? Surtout au premier, puisque j'y suis mais pas. Mais oui, c'est vrai. Alors, allons fermer. Madame la comtesse, les huîtres sont arrivées. Parfait. Oh, mon Dieu, qu'avez-vous? Non, rien. J'avais peur d'avoir laissé mes perles sur la table dans ma chambre. Pour vous qui passe trop, pour vous qui ne passe pas. Que dit le baromètre? Il monte, madame la comtesse. Et monsieur le comte? Il travaille dans son bureau, madame. Il travaille dans son bureau, c'est pas ça? Voilà un homme qui revient hier d'Égypte. Il marie aujourd'hui notre nièce, qui est plutôt la sienne, puisque vous êtes ici, ta sœur. Et qu'est-ce qu'il fait pendant que je suis en train de trouver pour lui? Malheureusement, rien du tout. Il travaille dans son bureau. C'est à ce moment que ça prend pas de même temps. Oh! Essayez-vous. C'est ça, mon ami, ce soir. Mais en effet, le moment, ce soir. Il y a des invités qui vous cherchent partout. Ils cherchent, lui aussi. Et vous lui demandez ce soir. Entre. C'est pas la peine de le fermer, celui-là. Ce sont vos papiers. Ça n'intéressera personne. Alors, je vous attends en bas. Immédiatement. Vous avez une femme admirable, monsieur. Admirable. Et tous ces événements se sont passés en mon absence, et je ne sais pour ainsi dire. Je compte sur vous pour me mettre un peu au courant. Après, tu sais, vous allez me parler de vous et vous parlerez de vous. Si nous nous plaisons, nous nous verrons tout le temps. Ce sera très agréable. Si nous ne nous plaisons pas, nous ne nous verrons jamais. Ce sera très agréable aussi. C'est bien volontiers, monsieur. Vous savez, personne plus que moi n'a le goût des choses précises. Ah, vous êtes un homme dans. C'est exactement ça, monsieur. J'ai pour l'ordre un goût, si je peux dire, désordonné. Je sais que vous êtes un sujet très brillant. C'est bien bon. À la vérité, je ne suis brillant que dans les choses qui ne sont pas. Je ne sais pas pourquoi, mais autour de moi, les événements se font modestes, s'amoindris. J'ai cette faculté curieuse de donner de l'insignifiance à tout ce qui m'arrive. J'aurais pu penser tout ça et de le dire.
Tiens, monsieur, je crois que je suis assez. Vous me plaisez beaucoup. Je crois que vous plairez aussi à mon fils. Il sera désolé de n'être pas là aujourd'hui, mais il s'est attaché depuis quelques mois à l'ambassade de Lisbonne. Il est extrêmement attiré. Ah oui, mais je croyais que les diplomates, vous savez, il faudra rendre Hélène très heureuse. Je suis absolument décidé. Elle le mérite. Ah oui, une jeune fille accomplie. Oh, c'est bien mieux que ça. C'est un être extrêmement émouvant. Bien élevé. Oui, c'est une vraie jeune fille. On sent en elle une femme qui attend. Ah, en quoi? Mon Dieu, la vie. Ah, oui, mais ça va. La vie. Allons rejoindre ma femme qui doit être folle de rage. Oh, ça, elle a été admirable. C'est elle qui a tout organisé. Oh, ça tout. Ah, c'est elle? Ah, oui, bon. Elle m'a tout de suite fait comprendre que j'aimais Hélène. Alors, vous savez, sans elle, Hélène ne serait pas aperçue qu'elle m'adorait. Heureusement que votre femme était là. Encore absolument sûr qu'il m'aime. Il y a déjà plusieurs mois que je ne l'ai vu et il ne s'est pas tout à fait déclaré. Mais il m'avait nettement laissé entendre. Tu aimes quelqu'un? Oui, je crois. Surtout qu'à notre époque, il ne faut pas trop demander de choses à l'amour. Mais il me plaît. Il est beau, intelligent, sportif. Il est même riche. Presque trop bien, comme tu vois. Peux-tu en savoir le nom de cette merveille? Son cousin André. André? Il n'y a plus besoin de vous, mademoiselle. Ce sera très bien. Surtout que mademoiselle ne s'appelle pas. Ah, ça va être bien. Antoine. Écoute-moi bien, ma chérie. Oublie André. Oublie-le tout de suite. C'est pourquoi? Parce qu'il t'a laissé entendre, il me l'a juré.